ballon. Nous voilà à Cordoba. Et voilà Grenade. Bienvenue dans le parc national de la Sierra Nevada. On voit les montagnes, on voit la mer. Franchement, c'est époustouflant. C'est même essoufflant. Ça y est, on est arrivé au refuge. Après trop de marches. On est tellement vieux maintenant. Tellement vieux. C'était quoi, 7 ou 8,5 km? Oui, 8 et demi. On est vieux. Ça va? C'était bien notre petite balade de 17 km. Ça remet bien aux jambes, Blast. Bonjour. Bonjour. On a fini notre rando. On a pris notre petit dîner bien tranquillement. Au niveau de ce spot, je vais vous montrer ça parce que c'est juste magique. Voilà. On va aller faire un petit tour vers là-bas, comme ça vous verrez la vue de manière générale. Hop. Je sais pas si on voit bien en caméra avec les différentes couleurs, mais à ce niveau-là, là, c'est la mer, c'est la Méditerranée qu'on voit. On est assez haut pour ça en fait, on est à 2000 mètres là, par là. Voilà. Et c'est là qu'on va faire dodo. Et tout à l'heure, bien qu'on a la douche avec eau chaude et tout ce qui va bien dans le van, on a pris notre petit bain tout nu, bien correctement, sans savon, parce que c'est mieux pour l'écologie, n'est-ce pas? Bon, on a profité de cette petite rivière qui passe juste là. Je crois que c'est le meilleur spot qu'on ait fait jusqu'ici. Voilà, je peux pas dire mieux. Trop beau. Bonne nuit.
Cet endroit rocheux et magnifique s'appelle El Torcal de Antequera. Aucune idée ce que c'était, mais toutes sortes de trucs bizarres. On vient juste d'arriver à Ronda, c'est au sud de Séville. Et en fait, on vient de découvrir qu'il y a énormément de choses à faire. Donc on avait prévu un passage rapide et non, on va y passer la journée. C'est parti. Notre premier arrêt, c'était pour le musée de Lara. C'était super intéressant, même si le premier étage, moyennement, vous pouvez y passer rapidement. Le rez-de-chaussée, par contre, c'est sur l'Inquisition et la sorcellerie. Et ça nous a vraiment changé. C'était différent et avec plein de mythologie à découvrir. C'était vraiment sympa. Il y a bien sûr d'autres choses à visiter dans Ronda, des églises bien sûr, mais aussi les magnifiques ruelles, le pont à ne pas rater, il est absolument magnifique. Et bien sûr Ronda, c'est avant tout la culture et le berceau de la corrida. Donc tout ce qui touche aux arènes et aux taureaux sont à découvrir ici. Et encore une fois, c'était bien vite dans les alentours, j'en ai bien profité. Le palais de Mondragon. Juste le nom, ça mérite une visite, voilà. Juste le nom, c'est badass, alors on va visiter. On va voir ça. Bon, je vous ai dit qu'on allait visiter un palais et me voilà dans une hutte préhistorique. Donc c'est un peu bizarre, en fait, le palais a été transformé en musée de la préhistoire. Voilà. C'était inattendu. Bon, je crois qu'on va arrêter cette deuxième vidéo sur l'Andalousie pour ne pas la faire trop longue encore une fois. Et on se retrouvera plus tard pour la troisième et dernière vidéo, enfin, d'Andalousie. Allez, retour sur les routes, ciao !